c'est la saison. J'adore. C'est le moment des cadeaux de Noël. Oh, je vous ai préparé aussi des sacrés cadeaux qui vont arriver, vous allez voir. Mais aujourd'hui, c'est pour moi. Je me fais plaisir. Je viens de recevoir mon premier cadeau. Il y a à l'intérieur quelque chose à la pointe de la technologie. Une pure merveille, de toute beauté. Mais on va le détruire, l'annihiler, le repousser dans ses derniers retranchements. Bon, j'ai triché. Moi, je sais ce qu'il y a à l'intérieur en vrai. Je vous ai d'ailleurs préparé un concept spécialement pour ça. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait d'unboxing. On va se faire un petit kiff. Le ASMR by Cyril. Je l'ai arraché là. 40 bits dès lors. Tout moment, je perds un doigt à tout moment. Voilà. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, ça ne marche pas, je suis nul. Je suis nul en ASMR. Ah, ouais, Noël. Ouais, j'adore. Je suis totalement normal. Ouais, c'est toute beauté. Ah. J'ai un appel. Ah, c'était un misclic, autant pour moi. Je ne peux pas travailler tranquille, faire la fête de Noël tranquille. Le ROG Zephyrus M16. Je peux vous dire que dans cette vidéo, on va le faire suer. Il est pas prêt pour ce qu'il attend. Waouh, c'est levé quand j'ai ouvert le carton, le PC s'est levé tout seul, regardez, regardez. Ça, c'est du packaging. Chiii. Ah ouais, il est petit, il est léger. Alors ça paraît pas comme ça, mais c'est un monstre. Messieurs, dames, sur ce PC, on va installer GTA V et les pires modes possibles. Tout en même temps. On va avoir besoin d'énormément de ressources. Je sais pas si un PC portable est capable d'encaisser ça. On va casser GTA V et en même temps, on va voir si on va casser le PC. Je crois qu'il est temps de vous faire une démonstration épique de ce PC. Regarde-moi cette bête, le ROG Zephyrus M16. Processeur Intel Core i9 11e génération. Nvidia RTX 3070. Améliore tes performances en profitant du DLSS et du Nvidia Reflex. Tu vas exploser tes images par seconde. Un écran 165 Hz, certifié Pantone. Un PC portable créé spécialement pour les créateurs de contenu professionnel. Un son surround Dolby Atmos à 6 haut-parleurs. Et bien évidemment pour ton stockage du SSD 2 Tera 4.0. Tu veux de la RAM? 32 Go en DDR4. Alright, bon, maintenant il va falloir installer GTA plus tous les modes. Ça va prendre beaucoup de temps. On va essayer de vous faire un truc de malade. C'est Quentin qui va s'en occuper pour pas que je sois spoilé et qu'on découvre ça ensemble. À dans quelques jours. Messieurs, dames, le PC est prêt. Regardez, il se prépare sur la table d'opération. Nous allons lui faire subir les pires dingueries possibles. Regardez cette qualité. Ce jeu est toujours aussi beau. Ok, j'ai activé une petite commande qui me permet de voir un petit peu comment se comporte le PC. Pour le moment, tout se passe bien. Là, j'ai mis sur du 100 Hz en 1920x1080, même si on peut aller au-dessus puisque c'est plutôt une résolution de 2K sur l'écran. Bien évidemment, on met tout à fond. Texture très élevée, les ombres, etc. Regardez, on est à 2500 mégas sur 8000. Forcément, c'est une RTX, une 3070. Donc, on a de la marge. Donc là, le jeu tourne parfaitement, c'est fluide de fou. Déjà, sur un PC portable comme ça, c'est assez incroyable. Le PC est aussi branché sur mon deuxième PC de stream. Comme ça, si ça crache, si ça bug, si ça explose, on aura forcément la vidéo. Maintenant, nous allons pousser le PC à bout. Ok, on va commencer tranquillement. On va y aller un peu crescendo avec les mods. Là, je vais activer des pouvoirs qui font tout péter. Je vais me transformer en Jésus-Christ. Et on va se lancer une petite pluie de météorites. Mes enfants, vous avez péché. Vous n'avez pas été sages. Los Santos va devoir payer. Il est temps pour vous de connaître la damnation des mods. Ça y est. C'est fini pour vous. Oh. Ok, le PC tient le coup pour le moment. Tout va bien, ne vous en faites pas. Waouh. Waouh. C'est incroyable ça. Fuyez malheureux face à mon pouvoir. On se croirait dans un film. Bon, pour le moment, ça a l'air de bien tenir, hein. Que Dieu me vienne ton aide. Jésus est parmi nous, mes enfants. Je suis là. Bon, c'est un mode qui prend quand même pas mal de ressources, mais visiblement, là, ça va. Je pense qu'on va pouvoir aller bien plus loin. Oh, merde. Oh, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Merde. Je suis désolé. Ici, Jésus, écoutez-moi, camarade. Il est temps pour vous de passer à l'étape numéro 2 du mode. On va passer sur des modes qui utilisent beaucoup plus de physique, d'éléments, qui va faire vraiment péter un plomb au jeu et donc faire surchauffer le PC. Alors attendez, si je fais... Oh, waouh, tout va bien se passer, messieurs là, vous inquiétez pas. Wow. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, attendez.
Alors on va se mettre 5 étoiles. Comme ça, il y aura encore plus de monde. Wow. Oh oui. Regardez-moi ça. Accrochez-vous bien, monsieur l'homme. Ça va aller, vous en faites pas. Ah mais attends, on va te faire péter. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah, mais j'ai l'impression que je les dirige, en fait. Ah ouais. Regardez comme c'est beau. Ils volent, ils volent. On va rajouter des props à fond. Voilà, des buts. Ah, j'avais été trop mille. Oh wow. Oh, c'est incroyable. Faut que je fasse tout péter, arrêtez. Pour le moment, le PC s'en sort bien. J'ai le pouvoir. Aïe, merde. Si c'est pas beau, sœur, regardez cette beauté, c'est magnifique. Alors forcément, là, on a bien baissé en FPS, on est plutôt vers les 40. Mais pour le reste, tout est bon. Hein. Par contre, moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être en 40 FPS, genre. Ah, merde, j'en ai trop mis. Non, le jeu a crash. Messieurs, dames, il va être temps de passer encore à l'étape supérieure. Cette fois-ci, je vais mettre un des modes qui prend le plus de ressources, qui fait crasher tous les PC, qui est super mal optimisé. Mais on va tester ça. Messieurs, dames, la tornade. Holy shit. Ah là, le PC va mourir. Fuyez, pauvre fou. Et il panique. Ok, pour le moment, ça tient le coup, hein. Parce que là, c'est un truc de fou, ça change tout. Regardez les voitures. Oh, la bagnole qui s'envole. Waouh. Là, je sens que j'ai un peu moins d'FPS quand même. Les bagnoles. Wow. Au secours. Ah, donne-moi la main. Donne-moi la main, Francis. Il est là-bas, je vois. Oh la dingue. C'est incroyable. Regardez ça. Mate-moi le bousin. Wouhou. Oh. Wow, à l'envers. C'est quoi ce bordel? Et le PC fait sa petite vie. C'est tellement stylé. Oh mais, what? Oh la fluidité là d'un coup, il s'est passé quoi? Voilà, je sens que ça va être dur pour le PC. Oh regardez la bagnole. Oh les gens. Oh mon dieu. Accrochez-vous. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous voulez la police? Vous en voulez plus? Il est temps de passer encore à l'étape supérieure. Laissez-moi devenir Thanos. Bye bye. Wouhou. Ah, c'est stylé. Ça dégage, on fait tout péter. Ah, je veux faire brûler le PC là, mais y a rien. On met tout, on balance tout. Oh là, ça va être un carnage. Waouh, la scène de film. Là, j'ai mis les météorites, la tornade. Oh là 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 là. Ah là, le jeu, il commence à galérer. Là, il commence à galérer. It's time. Oh, l'avion, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce bordel? Oh, je suis Thanos. Et il est temps de faire chauffer le PC. Ah, oh la dingue. Ouah, sur l'autoroute. Mais j'ai envie de prendre une voiture. Oh, je suis emporté. C'est Battlefield. Wow. En direct de Groove Street, où on lutte actuellement contre le Covid-19. Il y a Thanos actuellement. Oh, c'est l'armée. C'est quoi ce bordel? C'est dépassé le coronavirus, maintenant c'est Omicron. Oh putain, il arrive droit sur moi. Attention. Waouh, le vaccin. Messieurs, dames, il est temps de faire brûler le PC. L'apocalypse est enfin arrivé. C'est la fin de GTA. C'est terminé. La destruction est... Oh l'avion. Oh l'avion, j'ai mis une patate. J'ai mis une petite patate. Waouh. Oh l'avion, attention. Waouh. Ça y est, ça pète un plomb. Oh mais je suis très très haut là. Regardez comme c'est stylé. C'est clairement la fin du monde là. Regardez ça. Ah ouais, là ça crache, là c'est trop. Bien évidemment. Alright, on a cassé GTA, mais le PC, lui, a tenu. Forcément, il a un petit peu chauffé, mais honnêtement, c'est abusé, genre presque pas. Quand t'as un bon petit GPU, une petite RTX 3070, tu peux tout faire. Le but, eh bien, c'était de faire crasher le PC, de faire péter un câble. Je pense pas qu'on y arrivera, puisque le jeu va toujours planter avant. Il a tenu le choc. Alors, bien évidemment, on était quand même loin des 100 images par seconde, mais clairement, le PC carry. Donc, sur tous les jeux récents, bah forcément, il n'y a aucun problème, parce que là, on teste des mods qui sont pas du tout optimisés, qui, pour la plupart, font crasher les PC, etc. Donc, franchement, ça en est bien sorti. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. En plus de ça, il y aura une collab créative entre Rogue et différents artistes, youtubeurs dont je fais partie. En fait, il y aura des sons de cette vidéo que je viens de tourner qui seront donnés à un musicien qui s'appelle Matt Effie, pour ceux qui connaissent. Et il va prendre mes sons et ceux d'une autre youtubeuse, Loza Fruit. Et il va tout simplement en faire un remix. Il va faire une chanson avec les sons du jeu, le son de ma voix et les sons aussi de l'autre youtubeuse. En tout cas, un grand merci à Rogue pour ce PC. C'est une tuerie. Il est disponible dans la description pour ceux qui veulent aller voir dans différentes configurations. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt YouTube.